Faut que je me casse. Putain. Ah, je vais me faire buter là. Hey, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Resident Evil. Donc rappelez-vous, on s'était tapé une petite frayeur. On vient de rencontrer une nouvelle famille. Et là, c'est parti, on venait de sauvegarder. Et on a fouillé un peu cette plante. Donc déjà, on a le plan de la résidence. On va essayer de trouver un peu de tout ce qu'on peut. Ici, on a trouvé du fluide. Ah oui, on peut combiner. Pas mal ça. Donc on peut combiner avec quoi? Bon, avec les plantes. Et ça nous donne une potion miraculeuse. Ça, c'est nickel. Une petite boîte. Ah, on peut l'ouvrir. Ah, un crochet, ça pourrait être intéressant. La porte, elle est verrouillée dans tous les cas, je pense. Ouais. Est-ce qu'on peut récupérer des chaussettes? Non, elles se sentent horriblement moches. Ici, c'est quoi? Ah, stockage. Ok, vous pouvez stocker vos objets ici. Ok. Bon, je pense qu'il faut repartir par le trou. Il faut que le téléphone sonne à ce moment-là, avec un petit vent derrière. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il fait bien flipper. Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Oui, on veut sortir, Zoé, mais tu pourrais venir nous chercher. Donc ils nous ont agrafé la main, ils nous ont mis une chose autour de la main qui s'appelle un codex. Par contre, vous avez vu, j'avais une sorte de furoncle sur la main. Assez dégueulasse. Allez, on repart dans ce tunnel qui est bien lugubre. Et bien dégueulasse. Faut toujours vérifier s'il n'y a rien qu'on oublie par terre. Tout objet peut être bon à prendre. Tout objet peut être bon à prendre. En tout cas, j'espère qu'il nous attend pas en haut. Il va pas nous faire un petit screamer des familles. Ce serait pas gentil. Allez hop. On se lève. Allez Uzo, lève-toi. Ah là. Ouais, ça c'est cool. Par contre j'ai un petit problème. Alors, je sais pas si vous l'avez... Oui, alors, je suis en plein écran. Non, non ça veut pas. Ok, d'accord. Alors écoutez, j'ai l'impression que voilà, ça veut pas se mettre en plein écran. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est bon. Framerate variable, on va essayer de le bloquer à 60. Vendu, méthode de rendu normale, ouais, on va rester là. Donc là, je suis au maximum dans tout quasiment, donc on va essayer de bloquer les FPS à 60. Ok, bon. Hé, hey, par ici! Qui c'est lui? Hé, hey, vous! Ça a d'être un. Non, j'allais dire, j'ai cru que c'était un des journalistes, mais non, c'est un flic. Reculez. Bon. Vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint, vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Est-ce qu'il nous donne notre arme? Un simple couteau de poche. Un couteau! Bon, ça va déjà nous aider à ouvrir le garage, rappelez-vous, il est enrobé de scotch. Non,
au garage. C'est un ordre. Allez, on va aller au garage direct. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Un petit tiroir à ouvrir. Ah bah il est bloqué. Crochet. La petite clochette, il va servir donc à ça, ouvrir les tiroirs. Ce sera donc pas une arme. Ok, donc ça je me rappelle. Voilà, exactement. On va partir par là. On va couper cette merde. Et on va pouvoir sortir. On va pouvoir rejoindre Zoé ou pas? Je sens qu'il va se passer quelque chose, il va se faire buter. Je sais pas pourquoi. Hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Je suis pas tout seul, mec. Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Ok, j'ai un flingue. Saloperie, je vais tous vous tuer un par un. Ok. Bon là les gars, faut prendre de la distance avec lui. Ok, une balle dans la tête, ça va suffire je pense. Pas du tout. En tout cas, c'est comme le... Comme notre femme, il faut... En fait, une balle dans la tête, ça lui permet d'arrêter les coups. Et franchement, les gunfights, sont, ils ont l'air un peu très arcade. Ok. Une balle. J'ai l'impression après qu'il est insensible dès qu'il est... Ok, nickel. Il est vénère là. Il est vénère. Ok. Putain, j'ai que 4 balles là. Putain. Ah, je vais me faire buter là. Oh putain, je vais me faire buter là, je vais me faire buter, je le sens. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais me faire buter, je pense. Tu n'es rien, gamin. Juste un homme sans famille. Ok, bon, ça fait buter. On va pas se laisser abattre. Allez, on recommence en espérant qu'on pop au même endroit. Et on va essayer de faire quelque chose de plus propre, de plus stratégique. Oh, vous voyez, vous voyez. Donc là, première stratégie, c'est déjà récupérer l'arme. Donc là, le flic va se faire buter. Ah, je sais, ce n'est plus un c'est pas un spoil. Vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Bon. C'est assez gore quand même. Ok, là j'avais vu. Voilà, clé de voiture, c'est parfait. Je vais tous vous tuer un pas. Allez, accélère, accélère. Elle roule ma poule. Allez. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh merde!
Allez, Ethan! Finissons-en, toi et moi! Non, 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 non! Allez, je vais t'emmener faire un petit tour! Non! Oh le con. Le con, putain, je pense qu'on a réussi à se baisser au dernier moment. On a évité la mort quoi. Le pauvre flic il avait rien demandé. Faut qu'on se casse d'ici. Et vite. Oh la vache. Mais t'es pas mort. Mais meurs, saloperie, c'est un truc de fou. Ils sont incroyables ces trucs. Je te parle même que la femme d'Ethan elle est pas morte. Ok, il y avait un truc à prendre ici. Putain, où est le bouton quoi? Ah, il y a une échelle ici. Je l'avais pas vu. Mais on peut pas monter. Fuck. Où est-ce qu'on pourrait aller là? Vous allez me trouver un peu con, mais je vois pas où aller en fait. Mais alors pas du tout. Ouais, je me disais bien, il est pas mort. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Je te parle, il est encore pas mort. C'est un fou, ce mec. C'est un fou. Et papa, il est fou. Papa, il est fou. Papa, il est fou. C'est quoi, ça? Il doit avoir un petit secret derrière. Tu te tords, ok, nickel. Ah ouais, ça va nous permettre de sortir d'ici, ok, nickel. Ouais, c'est bon, il est encore en bas. Mais là, il doit être mort pour de bon, je l'espère. Putain, il fait flipper ce papa. On se casse. On va prendre le cut. Un petit couteau. Couteau de poche. Normalement, le taureau nous permettra d'ouvrir la porte. Nickel. C'est vrai qu'il était pas, il était pas tout seul le papa. Il y avait sa famille aussi. J'espère qu'ils sont tous partis. Qu'est-ce qu'on aurait pu, on pourrait laisser. Ouais, faut mettre un truc pour le remplacer, ok. Je suppose que cette merde, elle doit être cachée quelque part. Il faudrait un truc qui ressemble à un aigle. Sauf que là, je suppose que je dois pas l'avoir. Non.
faut quelque chose qui a un aspect d'aigle. Je pense que cette chose va nous ouvrir une porte ou je sais pas quoi. En tout cas, j'y vais avec le couteau, on sait jamais. Encore ? Putain, on peut jamais monter tranquille sans se faire déranger, quoi. Allez, répondre au téléphone. On sait jamais. Ça peut être important. Ouais, ça me paraît chelou toute cette histoire là. Plus de 20 disparus, capitaine. Ok, compte aujourd'hui 20 personnes disparues. Jeune femme a été aperçue la dernière fois dans la nuit. Disparition, ouais, putain, c'est, toutes les c'est un journal sur la disparition qui se passe en ce moment. Ok, et là, si je mets. Oh, la pendule, ça passera pas non plus. Ok, et là si on comment on mettait l'horloge, ça ne tient pas non plus. Pourquoi cette horloge, pourquoi ce truc sonne maintenant quoi? Evelyne, 2 mai 2014, ok. Ils ont laissé mamie ici. Ça donne pas envie de venir se promener ici. Là, j'ai plus de crochet. J'ai plus de crochet et je pense qu'il faut une clé dans tous les cas. Je suis armé. J'ai cru que c'était quelqu'un. Une cassette sur Mia. De la poudre en maison. Tête de chien bleu, ça peut être intéressant. On prend. On dit qu'une tempête approche, j'ai beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de concéder les toits. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau c'est un phare actuel, la maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Donc c'était des bons chrétiens. C'était des bons chrétiens, cette famille. Bon, mettons un peu la cassette en route. Et voyons ce qu'elle nous prépare. Je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je ne peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Ah oui, c'est jouable, là. Ok. On est impliqué directement dans l'histoire. Donc on joue Mia. Donc Mia qu'on a bah, normalement tué. Où est-ce que je vais putain? Ok, pas par là en tout cas. Mais je voudrais bien savoir ce qu'il lui a. C'est qui elle? Il y a quelque chose derrière nous. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée. Salope!
You failed. Mais attends, elle ouvre la porte d'un coup, elle me pécho. Comment je pouvais le savoir? Comment je pouvais le savoir? On va se cacher, on va se cacher, on reste là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Putain, elle est juste là, elle est juste là. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Vas-y, on se dirige vers cette porte. Allez, allez, allez. Faut pas se laisser attraper par cette vieille folle. En tout cas, ils lui veulent quelque chose. C'est l'aigle qu'on a besoin. On va se cacher, on va se cacher. C'est une vieille folle. J'ai l'impression qu'ils ont été contaminés par un virus qui les a rendus fous. Et je sais pas encore. On est au début de l'histoire et. J'essaie déjà de me mettre un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas de force, on n'a rien. Je vois même pas où je pourrais aller. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Putain, elle fait flipper cette vieille folle. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Putain. Et toi, que fais-tu? Eh ben moi, je m'enfuis. Mais je sais pas où. Putain, je vois pas du tout où on pourrait aller. Ah ok. Il faut essayer de faire ouais, l'amigale ou je sais pas quoi là. Ouh, je suis mauvais en ça. Ça va être dur. On y est presque, on y est presque. Putain. J'y arrive pas. Ah. Nickel, on a trouvé. Mais faut que ça rentre. Nickel. Ok, on a ouvert le passage. Allez, Zeglin, comme ça, je kiffe. Je sais pas vous, mais j'adore. Faut que je passe par là dans tous les cas. Ça reste assez sombre. Mais faut y aller.
J'espère qu'on va pas se taper un gros screamer. Putain, je sais pas vous, mais moi je passerai pas dans celui de lui. Je me serais jeté dans le lac, je me serais cassé, mais de cet endroit horrible. Oh. Juste passer dans les lieux du coup comme ça, ça me donne pas envie. Déjà que quand je... Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Oh putain, sa mère. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Je te tiens. Non. C'est ça qui m'énerve, c'est que là j'avais aucun endroit. Et pour moi, je me suis dit, je me cache derrière ça, c'est mort, je vais me faire retrouver là. Ouais, on va se mettre là. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Ouais, mais ton don, j'en veux pas. En plus, tu fais flipper, meuf. Donc je me serais mis à droite, je me serais fait choper aussi, tu vois. Ça c'est pas cool, ça, les gars. Nous t'aimons. Ouvre les yeux. Accepte-nous. C'est pas possible. Tu ne comprends rien. Et tu ne te rends même pas compte. Allez, on se casse. On se casse par là. Non, 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 non. N'essaie même pas de... On va passer par là. Ouais, et bah j'ai réussi à me casser. C'est qui ça? Une photo d'une femme. Où crois-tu aller comme ça? Elle est horrible cette dame, putain, c'est un truc de ouf. Waouh. Eh les gars, mais c'est une famille de dingue. Après le père, c'est la mère. Je sens qu'on va kiffer ce Resident Evil. Au deuxième épisode, je suis en train de kiffer là. Allez. Ah, c'est un chargement. Pom, 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 pom. Comment dire? Je sais pas si cette scène s'est passée avant ou après qu'on tue Mia. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Mais en tout cas, ça fait bien flipper à ce qu'ils ont essayé de lui faire. Ok, il y a la vieille folle, elle est en bas en fait. C'est quoi ça? J'ai plus assez de place dans mon inventaire. Mais j'ai quoi dans mon inventaire? Ça, c'est sûr que les cartouches de fusil, je vais en avoir besoin. Déjà, on va faire une place, hop. On va faire une petite place. Après, qu'est-ce que je peux jeter? Bah, la cassette de Mia, je peux la jeter du coup. Mais je peux pas. Je peux pas la tège. Qu'est-ce que je peux combiner pour faire bah, des balles. Nickel. Que ça va être les toilettes qui paraissent plus propres que les munitions de pistolet. Magnifique, magnifique, magnifique. On a des munitions. C'est nickel. Ok. Ah, je vais pas pouvoir. Impossible d'utiliser ça ici. Bah, c'est sûr que je vais pas pouvoir l'utiliser là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à fouiller? En tout cas, là. Euh...
tout cas, j'ai pas le droit de lui tirer dessus. Mais ça fait flipper. Bon, il y a certains endroits quand même, je vais pas vous mentir. C'est dommage qu'il y ait ça, c'est qu'il y a des petites baisses de framerate. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu un gros Kamehameha en plein de rediff. Excusez-moi, il y a eu un problème. Le gros Kamehameha qui arrive à la fin du let's play. Le truc incompréhensible, bien sûr. Bon, on va essayer de trouver du coup... Fluide chimique, c'est pas ça. On va essayer avec ça, tiens. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Living room. Il y a peut-être un truc qui pourrait être intéressant. Non, 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 c'est pas ça. Donc ils m'ont dit... Ils disent living room. On a pris l'horloge, ouais, il n'y a pas de souci. C'est pas ça. Ah oui, les têtes pour avancer. Waouh, ouais, on pourra sortir enfin dehors. Je crois qu'il reste pas des petits trucs dehors ici. Shoot me, shoot me. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. D'accord. Ouais. Donc du coup, il faudrait que j'utilise ça. Ah mais ouais, mais il faudrait des fluides chimiques. Faudrait que je revoie mon inventaire là. Faudrait que je revoie un petit peu mon inventaire et trouver quelque chose qui pourrait tenir sur... C'est cette putain d'arme. Donc ça sera la suite dans le prochain épisode qu'on va... On va faire ça. En tout cas, épisode un petit peu calme. Hein, on n'a pas eu de grosses frayeurs. Et on va essayer... On va essayer de faire mieux pour le troisième épisode. On se retrouve au troisième épisode donc. Bye.